Hey, bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, oui, enfin de retour sur Minecraft. Alors, vous dites pourquoi je suis sur la map de Squeezie? Alors, oui, nous sommes sur la map de Squeezie, mais en réalité, il était créé par Cheetos. Je sais pas si vous suivez le live de Squeezie à cette époque. Et donc, il avait fait une map Yu-Gi-Oh! Comme il y a actuellement. Mais en gros, nous sommes tous en mode. Bloqué dans cet endroit avec le mini-jeu, et en fait, le but c'est de trouver loup-garou, assassin et tout, et etc. etc. Alors, donc voilà, je vais vous montrer comment déjà tout ça ça fonctionne. Alors, bien sûr, pour les personnes qui feront avec nous sur Minecraft, parce que oui, nous sommes actuellement sur mon serveur. Alors, de toute façon, ça sert à rien que je vous donnerai mon IP du serveur. Alors par contre, pour le serveur Discord, je vais pas vous faire tout de suite parce que je sais pas quelle idée, je sais pas si j'ai une idée ce que je ferais. Désolé pour le son du Minecraft. Parce que j'ai dû droit avoir aujourd'hui parce que j'avais un compte premium. C'est juste qu'en fait, j'avais perdu mon compte premium. Donc du coup, je viens juste de récupérer mon compte. Et avec mon compte Microsoft, et du coup, je suis renommé par Kratos 26 000. Eh bien, en haut. Actuellement, nous sommes actuellement sur mon serveur. Du coup, ils disent que le joueur Kratos 26 000 a rejoint la partie 1 sur 12. Parce que oui, pour l'instant, j'ai mis sur 12. Et en fait, pourquoi on est sur 12? Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus vous mettez des personnes en royal, bah plus on pourra jouer à plus nombreux sur la map avec les royals chacun et tout. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour les personnes qui veulent un jour être modérateur sur mon serveur, que vraiment je ferai grave confiance, on sait jamais, au cas où, si on aura besoin de monde sur mon serveur, parce que ça se trouve on sera vraiment nombreux. Alors du coup, actuellement nous sommes actuellement sur Java, et pour quelle version nous sommes, vous dites, bien sûr. Alors nous sommes à la version 1.15.1. Alors bien sûr, je suis sur Premium. Du coup, pour les personnes qui sont en difficulté, qu'ils n'ont pas le Minecraft Premium. Je verrai plus tard, on sait jamais. Désolé si le chat, parce que j'ai pas fait exprès d'appuyer. Et du coup, on verra ça plus tard pour déjà mettre le serveur en crack. On sait jamais s'il y a beaucoup de cracks qui veulent venir sur mon serveur 1.15.1. Déjà, mon serveur sera whitelist, du coup, je demanderai déjà des anti-candidatures et tout. Du coup, pour l'instant, je voudrais bien que vous faites ça par message. Du coup, par mon message par Discord. Du coup, je ferai ça, un lien en description. Et je pingerai aussi mon message commentaire de mon serveur Discord, de mon pseudo Discord. Et après, un peu plus tard, je ferai un serveur Discord que je pense que je trouverai d'être un développeur qui pourra me faire. Ou je ferai par moi-même, je verrai ce que je vais faire. Et je ferai un serveur Discord genre pour un du coup pour vérification de est-ce que vous n'êtes pas déjà un robot et tout. Enfin le bienvenu. Ensuite, vous aurez tout ce qu'il faudra. Et vous aurez des descriptions à faire et tout, conditions. Après quand vous aurez fait toutes les conditions, vous aurez plus accès au serveur. Bah, je vois que c'est général, les trucs de base sur Discord. Et dès que vous serez sur le onglet qui permettra de faire candidature, vous faites votre candidature. Après, je ferai ça plus tard, les trucs candidature. Pour les exemples, je verrai ça plus tard. Je pense que je retrouverai d'abord des développeurs Discord en même temps. Ou plutôt des personnes qui veulent juste m'aider à faire mon serveur Discord aussi. Ou peut-être, ou je ferai sur mon serveur Discord, parce que oui, j'ai un serveur Discord. Mais ce serveur Discord, c'était plus Nintendo et des jeux aussi Minecraft, parce que Minecraft, ça vient du Nintendo aussi. Mais là, c'est plutôt Java, et donc, voilà. Après, j'ai posé la question si je faisais ça sur les armes, les problèmes, les armes, je pense que je ne montrerai pas parce qu'il faudra être 1.20. 1.20, quoi, ce que j'ai compris. Et donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ça.
Et donc actuellement j'étais sur mon serveur VPS, donc ça veut dire que mon serveur il va rester H24 ouvert. Il n'y aura pas de fermeture. Enfin, peut-être si on sait jamais s'il y a des problèmes. Voilà. Et voilà. Donc nous sommes actuellement sur la map de Loup-Garou. Vous êtes donc tous reconnus. Il y a 4. Et vous dites. Ouais, bah nous sommes sur la map Loup-Garou, on fait comment pour lancer la partie? Alors bien sûr, pour lancer la partie, vous ne pourrez pas lancer quand il y a un modérateur. S'il n'y a pas de modérateur pour lancer la partie, parce que oui, il y a une petite commande qui permettra de faire lancer la partie. Et du coup, pour relancer la partie, on doit être OP. Et du coup, le temps qu'il n'y a pas OP de modérateur ou un taf, quand vous voulez, vous préférez vous demander. Et bah, la partie pourra pas se lancer. Donc, ça sert à rien de nous forcer à dire et tout, les events. Alors, on fera ça plus en events quand je ferai un tournage, si vous voulez. En vidéo, tu vois, comme ça, on pourrait faire en vocal. Et je préférais qu'on fasse un salon pour texte, pour une discussion. Les personnes qui veulent jouer juste pour plaisir et d'aller sur la map pour jouer. Je serai partant, mais après, je sais pas s'il faudrait que je quitte et après, il faut que personne rejoigne. Faudrait que voir comment ça fonctionne déjà le système de Yu-Gi-Oh! Bon, enfin bref, déjà que façon, vous aurez peut-être pas accès à ces commandes, je vais montrer comment ça fonctionne, les commandes. Déjà pour montrer tout, il y a liste de rôles. Et ensuite, comment lancer, etc., etc. Déjà, vous faites. Bon, du coup, il faut que je fasse flash DG. Donc, voilà, de toute façon, vous aurez la commande en couette. Et du coup, ils diront essayez flash SG. Bon, en gros, Yu-Gi-Oh! Espace. Et après, vous aurez add spawn. Et pour dire arrêtez la partie. Après, vous devrez mettre votre pseudo. Après, vous montrerez comment ça fonctionne. Ensuite, vous aurez. Suivant nuit, je sais pas ça sert à quoi. Nuit, jour, suivant jour, je sais pas trop ce que c'est. Pour configuration, j'ai déjà testé, je sais pas trop ça sert à quoi réellement. Après, il y a le flash roll, le flash royal pack et flash jaune. Allez, je vais montrer comment ça sert à quoi. Passons juste après. Déjà, pour commencer, on doit faire flash j'ai add spawn. Alors c'est quoi à spawn? En gros, vous voudrez aller sur votre emplacement de spawn et vous faites flash GG add spawn. Ils sont les modérateurs et en gros, ils doivent faire ça 12 fois si on doit être 12 dans la partie en fait. De toute façon, si vous avez fait trop, bah t'inquiétez pas, on peut supprimer et recommencer la configuration. Ensuite, pour le roll, vous faites flash roll et vous avez 28 rôles avec. Du coup, bien sûr, vous avez les petites filles. Bon, nous, on a plutôt mis pour l'instant les bases. Et après, si vous voulez avoir plus de rôles, vous durez ça par Discord, comme vous voulez, par commentaire et tout. Voilà, en gros, vous avez petites filles, loup-garou, corbeau, montreur d'ours. Je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, vous avez loup-garou blanc, voyante, assassin, les deux classiques, moi je trouve. Détecteur, loup-garou noir, j'ai jamais vu. Chaperon rouge, j'ai pas encore vu encore aussi. Faucheur, enfant sauvage, coupiton, je sais pas si je prononce bien. Chasseur, bouffon, détective, grand méchant loup, survivant, garde, villageois, ange, médium, chien loup, pyromane et pirate. Ah non, pardon. Chasseur de vampire, maître et sorcière. En gros, vous avez 28 rôles. Et pour les modifier les rôles, vous faites flash, par exemple, rôle. Et vous, par exemple, vous les modifiez. Allez, par exemple, pirate. Vous lui mettez 1. Du coup, vous mettez 7. Pirate. Et comme j'avais dit, si vous lui mettez 1, vous mettez 1. Ensuite, vous dites, par exemple, toi, on a juste fait une petite modification, je suis juste pour vous montrer. Après, ils vont dire, si vous avez fini de changer les rôles, écrivez flash IG John High pour dire qu'on finit la configuration. Du coup, on fait John High.
Qu'est-ce qui se passe du coup? Tout le monde rejoint. À la place 12, du coup, moi, il dira 13. Parce que oui, avant, il disait 12. Comment j'ai rajouté un roi, du coup, il y en a un 13. Du coup, par exemple, là, je vais rentrer celui-là. Je vais remettre sa commande. Hop! Là, il me dit qu'il en est 12. Voilà. Je sais pas si vous voyez comment ça fonctionne. Et après, peut-être plus tard, je ferai un système de téléportation. Chaque monde qui permettra de faire un nouvel room de loup-garou. Comme ça, à la place d'être 12, on peut faire 24, 36, 48, 60, etc., etc. C'est un exemple et ça pourrait être pas mal si on fait ça. Par exemple, si on veut lancer et qu'on n'est pas assez de joueurs, ça va se passer ceci. En gros, vous voulez y mettre à commencer à partir. Du coup, il sera Flash, IG, Star et votre pseudo. Par exemple, moi, c'est Flash, mon pseudo, du coup, c'est ça, Kratos, 26 000. En gros, ça écrira un message, vous allez bien démarrer une nouvelle partie. Mais le problème, vous n'êtes pas sur l'emplacement de chaque objet. Alors, totalement normal, en fait, c'est totalement normal parce que soit c'est un bug, du coup, vous devrez quitter et relancer. Enfin, je vous montrerai comment quitter la partie. Ou soit, vous n'êtes pas assez nombreux pour faire la partie à mon loup-garou. Donc voilà. De toute façon, j'essaierai de recruter maximum de personnes. J'essaierai de retirer masse de personnes qui sont Java, qui sont sur Bedrock. J'essaierai de trouver des gens qui ont Java. Ça peut être intéressant, je pourrais trouver sur les lives et tout. Et j'essaierai voilà, donner envie. Et si vous y arrêtez la partie que vous voyez qu'il y a personne, que vous n'êtes pas si nombreux, vous mettez Flash LG, End et votre pseudo. Et après, ça créera soit égalité, soit personne à gagner. Parce que moi, c'est normal parce qu'on a forcé la partie à arrêter. Et j'ai pas joué. Parce je suis que tout seul. Et voilà. Alors, du coup, je vais répéter pour le serveur de Minecraft et le serveur Discord. Les personnes qui n'ont pas encore compris. Donc, le serveur, je me laisserai en whitelist. Je ferai un salon pour. Au départ, ce sera juste directement des joueurs qui auront accès et tout. Et après, je renforcerai un petite règle. Condition, on va dire ça. Quand on aura assez nombreux, je ferai une condition derrière. Et en gros, genre si on sera 30, 40, 50 ou peut-être plus, et bah je foutrai une condition que le serveur, pour rejoindre le serveur, vous devrez attendre genre une semaine pour être vérifié du serveur Discord. Et dès que vous serez vérifié, je ferai peut-être une vérification moi-même par voir si vous avez bien attendu une semaine et tout. Et si je vois que vous avez bien respecté, je me trouverai heureux pour que vous avez accès au serveur. Ou soit sinon, ben je verrai peut-être plus de mois, 3 mois. On verra peut-être 1 mois et tout pour rassurer que vous respectez bien les règles et tout. Et vous avez bien la patience. C'est juste pour la patience. Et je préfère faire ce genre de choses. Parce que je trouve ça assez intéressant de faire un serveur Discord juste pour Minecraft serveur. Ou sinon, bah, je peux reprendre le serveur Discord que j'avais commencé à Yougaou. Mais ce serveur Discord, c'était plus un serveur Discord Yougaou, Minecraft, Bedrock. Mais si vous voulez que je refasse un nouveau serveur Discord, ou si j'ai un serveur Discord que vous voulez compter mettre par-dessus, je mets un rôle de Minecraft. Comme ça, on sait qui est qui. Et voilà, ce sera plus simple. Enfin bref, du coup donc, je pense que j'ai tout dit. Pour mon serveur Minecraft, c'est tout dit. Et du coup, désolé s'il n'y a pas de montage vidéo, il n'y a pas de... C'est tout comme ça, parce qu'en ce moment, j'aime plus trop travailler moteur. Et en vrai, je pense que je vais chercher un moteur qui pourrait m'aider à faire des vidéos, juste un montage. Je vais m'aider par un montage. J'essaierai peut-être de trouver un moteur classique comme ça. Et miniature aussi, je pense que je vais aussi trouver un GF. Je sais plus comment on appelle comment.
Parce qu'en fait, je veux plus que je fasse moi-même miniature et montage vidéo. Parce que je te jure que j'ai pas envie de perdre du temps pour ça et je trouve que ça fait perdre de temps et ça me gâche un peu le temps que j'ai en ce moment parce que j'ai très peu de temps en ce moment. Et j'ai plus trop de temps à faire des montages vidéo et des miniatures. Et du coup, en gros, j'ai obligé d'attendre 2-3 semaines pour republier une vidéo. C'est pour ça que j'ai pas trop. C'est pas que j'ai la flemme, c'est que. En ce moment, j'ai plus trop de temps. Mais là, je profite parce que je suis en vacances, mais. J'ai pas encore tout installé correctement sur mon PC. Donc. Du coup, je prends vite pour installer parce que j'ai plus trop de place sur mon PC. Et donc, voilà. Bon, je pense que cette vidéo, ça touche à sa fin. Du coup, les personnes qui veulent rejoindre mon serveur, n'hésitez pas. Je partagerai aussi sur mon serveur Discord. Les personnes qui sont sur mon serveur Discord, de toute façon. Du coup, ils verront ça. J'essaierai de partager masse personnes. Les personnes qui seront intéressées, bah, vous seront bienvenues. Et c'est juste qu'il faudra bien respecter les règles du serveur. Que quand j'aurai bien fixé le serveur et les règles. Voilà. Donc, c'est parce que je vais pas faire une vidéo trop longue. Du coup, j'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Du coup, déjà, première chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager maximum cette vidéo. Je voudrais que maximum de personnes qui viennent sur mon serveur juste pour le délire Yu-Gi-Oh! Et par exemple, si les personnes qui veulent jouer vraiment très très souvent avec moi sur Minecraft, je compterai faire un serveur Bedrock et Java. Ça veut dire qu'en gros, je ferai un plugin qui s'appellera Chaser, donc qui est super connu. En gros, je vais ouvrir un serveur 1v24 et je ferai genre un serveur PvE. Bon, sur Aya, qu'on fera plein de des aventures, des events aussi. En gros, j'aurai un compte que je viendrai par Bedrock, je pense à un compte Bedrock. Je viendrai sur le compte Bedrock. Et je pense que le compte Java, bah, ce serait le seul que je ferai les events et administration. En vidéo ou en réel, bien sûr, parce que sinon ce sera du full stream hack. Et c'est un peu, bah, après, c'est un peu cheaté, quoi. Et voilà. Du coup, donc, enfin bref, si vous voulez qu'on fasse ça, n'hésitez pas à me le dire. Et je compte rejouer vraiment très très souvent à Minecraft et faire des IA bientôt. Donc il y aura un IA bientôt dans, genre je pense en une semaine, il y aura un nouvel live de Minecraft. Et je ferai souvent des lives aussi sur Fall Guys. Donc n'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne Twitch que je vous trouverai sur la description. N'hésitez pas aussi à m'abonner et follow. Surtout c'est important. Mais après, il y a des personnes qui veulent juste soutenir. Et faire plaisir, n'hésitez pas. Après, moi, c'est pas pour faire plaisir, surtout, c'est plutôt si vous êtes intéressé. Voilà, je vous force pas, ça sert à rien de vous forcer. De toute façon, je suis pas un gars de forcer. Les personnes qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que je suis très gentil. Et du coup, je pense que je vais aussi reprendre la communauté. Et je pense que la communauté, je vais essayer de faire plus communauté à Minecraft. Parce que je crois Minecraft, ça pourrait bien marcher. Si on le fait en communauté Minecraft. Enfin bref. Voilà, je vous dis à plus. Et je vous dis à très bientôt sur mon serveur Minecraft. Allez, salut!